Il va sûrement mettre des chauves-souris. Donc regardez, hop. Et là, bam. Non, 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 non. Non, mais gros, mais c'est du foutage de gueule. Vous avez vu le bête de pré-shot que je lui fais? Et yo tout le monde, c'est Lemonty, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo au cochon cycle. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un grand invité. Normalement, si tout se passe bien sur la chaîne, un gros joueur cochon. Je vous laisse deviner qui ça va être. Ce sera pas sur ce deck-là, mais je me suis dit ça peut être une bonne occasion pour s'y remettre un peu et jouer un petit deck cochon vraiment à l'ancienne en ladder. Avant, c'était pas l'esprit de feu, c'était l'esprit de glace, je crois, ou je sais plus ce que c'était. Ouais, peut-être esprit de glace. Mais le cochon roquette, hein, qui date il y a au moins 2-3 ans, il y avait quelques joueurs qui jouent encore un petit peu, mais c'est clairement un deck qui est extrêmement dur à jouer, extrêmement dur à maîtriser, surtout contre les decks Molos, même contre les decks Beatdown, même contre tous les decks en fait. Vous avez aucun bon match-up parce que il y a beaucoup de bâtiments, il y a beaucoup de tornades, les Beatdown c'est chaud, pour l'aérien vous avez rien. C'est vraiment un deck très compliqué à maîtriser, mais qui est quand même efficace. Donc on va bon, on va tester ça en ladder, hein, tout de suite. On est à 5, ouais, 6k5, c'est ça, un truc comme ça. Et vous allez voir que c'est un deck qui est assez fun à jouer puisque bah c'est un deck qui est super agressif. Regardez-moi ça. Déjà ça part direct cochon chauve-souris. Oh la maquette. Attendez, mais ce serait incroyable si on fait un match-up miroir pour commencer là. Ce serait vraiment incroyable. On va bien voir, mais pour l'instant on va cycler tranquillement l'esprit de feu. Ok. Oh non. Un match miroir, mais j'y crois pas. J'y crois pas, genre. Et là bam, la contre-attaque. Oh là 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 là, il a plus de roquettes, hein. Il a plus de roquettes, donc on y va. Oh, il a une tornade, non, c'est un match miroir avec une tornade, c'est pas du tout un match miroir, frérot, là. Là, il y a eu Scams. Oh, c'est le deck de Viper, battle de deck de cochon, c'est le deck de Viper en face. Ok, très bien. Très, très intéressant, on va essayer peut-être de bête la bûche avec, avec ce petit esprit de feu pour derrière mettre la princesse. Ok, non, pas de bûche, intéressant. Je pense que double pression comme ça, ça peut être pas mal. Hein. Et là, si tornade sur la tour du roi derrière, j'ai les chauves-souris, regardez. Pour empêcher la tornade, tout simplement. Oh là là, c'est pas mal du tout même. Allez, allez. Encore. Oh, dommage, le mini PK qui va pas taper, malheureusement. Du coup, la bûche en pré-shot qui était bah, pour les gobelins, mais je crois qu'il avait pas assez d'élixir. Ouais, vraiment important de mettre ses chauves-souris, sinon il allait activer la tour du roi. Et là, on est bien. Là, honnêtement, on est vraiment pas mal. Je pense qu'on peut se permettre de faire ça. Hop, petit pré-shot pour... Non, j'y arrive pas. C'est pas grave. Il va absolument pas me mettre ses gobelins. Ou alors je les ai pas vus, il les a posés. Mais je vous assure que... Attendez, il les... Ah oui, il les a peut-être mis pour défendre le bourreau. Là par contre, my brothers, ça... Ça, faut pas faire ça. Ok. Oh, bien joué par contre. Peut-être le karma là. Ouais, j'aurais dû... En plus, je m'y attendais, hein. Mais je pensais pas qu'il allait l'envoyer aussitôt. Un peu my bad là-dessus. Bon, après, c'est pas trop grave. On peut envoyer ça, voilà. Ah, le problème, c'est qu'il va recycler sur la tornade ou sur les gobelins? Là, allez. Nice. Parfait, ça met un coup. Tac. Nous, on défend tranquille. Comme on peut, hein. Allez. Mais frérot, on va sur le cochon. C'est trop, la tornade en attaque. C'est beaucoup trop. Ok, mon changement de strat. Ah, il va mettre les gobes et tout. Bah ouais, c'est trop dur, hein. Il va me refaire la même, hein. Bah ouais. Bah ouais, mais c'est de la triche, monsieur. C'est de la triche. Oh. Allez, allez, allez. Oui. Oh. Oh, la game de ouf. Oh, la game de ouf pour commencer. Allez, faut que ça saute. Allez, frérot, allez, allez, sur les gobelins, s'il te plaît. Oui. Oh, ça finit pas. Allez. Let's go. Allez. Oui. Oh, la game de ouf. Oh là là, Viper. Je t'ai massacré. C'était le petit cousin de Viper. On l'a découpé. Oh, oh là 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 là. Game. Le mini PK qui prend la tour derrière. C'était chaud. C'était chaud de ouf. Ça nous met... Ouais, on est toujours aussi bas. Ça bouge pas. Oh, c'est un truc de ouf. Ça met bien. Première game qui met plutôt bien.
Qui a le match-up? Honnêtement, j'en ai aucune idée là. Clairement, je pourrais pas trop vous aider. C'est sûr que la tornade, ça nous aide pas. Mais ouais, écoutez, ça fait plaisir. Hein. Pour commencer. Ah, j'ai pas le golem de glace, ça fait chier ça. Ouais, j'aurais bien aimé l'avoir avant. Du coup, je le récupère beaucoup trop tard. Je suis obligé de poser une princesse qui était pas forcément nécessaire. On va bien voir ce qu'il nous pose devant. Mais je suis pas hyper fan. S'il met rien, ça me va. Hein. Très clairement, la princesse. Oh, parfait, super. Je pense que. Est-ce qu'on ferait pas. Ça là, genre. Alors là, c'est vraiment un crash test. S'il a une armée de Kikoutes, c'est un peu la Merlts. Ok, ça va prendre la tour. Est-ce qu'on partirait pas sur un 3 couronnes par hasard? Moi, je pense que si. Hein. Oula, peut-être ambitieux le 3 couronnes là. Peut-être que l'ambition. Ouais, un peu trop grande là, l'ambition. Après, si je perds que la tour. Non, vas-y, les fléchas, c'est bon, c'est trop, frère. Oh là là, le focus. Oh là 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 là. Aïe. On va se relever. Le golem de glace peut-être. Oh, le golem de glace d'une vie. Le golem de glace d'une vie. Allez. Non, le golem, il a trop de points de vie. Frère, vite. Oh, c'est trop. Ça, c'est inarrêtable en fait. C'est soit je le 3 couronnes. Qu'est-ce que j'aurais pu faire différent? Ouais, dans tous les cas, je pouvais pas défendre un golem. En fait, ma seule carte qui permet de défendre, c'est la princesse. Le problème, c'est qu'il a les flèches pour aller la chercher ultra rapidement. Donc après, à partir de là, il a juste à cloner, honnêtement, et c'était terminé. Hein. Bon, écoutez, c'est pas. Petite défaite, c'est des choses qui arrivent. Ok. Oh, ça, je prends, hein, je pense. Ça, je pense que ça se requête, hein. Entre nous, là. Chauve-souris. Oh. Oh, petit zappi. On est régalé au niveau des match-up. Alors, Iwi, chauve-souris. Donc, je pense que c'est un géant. Ça a pas l'air d'être un géant gobelin, normalement, dans la logique des choses. Après, il va quand même falloir recycler. J'espère que c'est pas un géant gobelin, sinon c'est la merde. Ok, super. Allez là. Oh, oh la belle roquette. Oh la belle roquette. Ça fait plaisir. Il va sûrement mettre des chauves-souris. Donc regardez, hop. Et là, bam. Oh là là là. Non. Non mais gros. Mais c'est du foutage de gueule. Vous avez vu le bête de pré-shot que je lui fais? Ah mais l'ascenseur émotionnel quoi. C'est vraiment une blague hein. Ok, c'est pas grave, les chauves-souris qui vont faire une bonne contre-attaque. La petite contre-attaque. Est-ce que j'ai besoin de rajouter. Oh, il dit pas de faire. Ouf. Ouh, c'est chaud. C'était plutôt chaud. On se prépare à partir de l'autre côté s'il met un zappi. De toute façon, il va pas. Je pense pas qu'il va zappi. De toute façon, j'ai ma roquette. Donc, si zappi, il va le mettre assez haut. Ok, on va bluffer. Regardez le bluff. Le coup de bluff. Voilà, le coup de bluff du joueur français. C'est bon, il est parti de l'autre côté. Il faut absolument que je garde mon mini PK, pardon. Parce que sinon, j'ai absolument rien pour défendre le géant gobelin. Donc, ça va pas être facile. Hein. Après, ce qu'on peut faire, c'est ça. Ça. Oh là, c'est. Ouais, c'est pas exactement ce que. Ouais, c'est. En vrai, ça passe de ouf. Hein. Mais alors, c'est vraiment pas ce que je voulais faire à la base. Hein. Non. Ah merde. Ah, j'ai un peu trop collé, je pense. Ah ouais, c'est chaud. Ok, la bonne bûche, très bonne bûche de ma part. Oh là, le zap qui était pas du tout prévu. Ça va être chaud, hein. Ça va être super chaud. Ok, ce coup-ci c'est bon. Ok. J'aime bien. Le problème c'est que j'ai rien pour défendre. Allez frérot, allez, fais un effort s'il te plaît, vite. Oh la pression. Oh la pression, allez la roquette pour finir. Allez. Let's go. Deuxième victoire, tout aussi tendue. C'était chaud, hein. C'était ultra chaud. Quand je vous disais que le deck il était dur à maîtriser, c'était pas une blague, hein. Le deck est vraiment ultra dur à jouer. Déjà les cochons cycle, c'est assez dur à maîtriser. Mais alors là, c'est plus difficile, ouais. Clairement c'est plus difficile que le cochon séisme ou que le cochon 2.6. Mais j'aime beaucoup, c'est très agréable à jouer, je vous recommande à tester.
peut-être pas en ladder, déjà si vous n'avez pas le deck de max. Et si vous tenez à votre trophée aussi, parce que vous risquez de faire une bonne descente, que ce soit en défi ou en ladder, si vous testez le deck dès le début. Ah oui, ça, je sais pas ce que ça va donner non plus. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ah ouais, c'est la merde là. Ah ouais, les cartes nouvelle génération là, on se fait un peu exploser. Hein. Ok, ça part. Ça part de là, ça part de là, peut-être. Le mini PK, la décale. Ok. Non, non, non. Oh non, pas le deck cancer que je joue. Mais il n'y a que moi qui ai le droit de jouer cancer. Comment je suis censé défendre? Il va m'envoyer foreuse sapeur, j'ai rien. J'ai absolument rien. Il va refaire la même 100% là dans max 2 d'élixir, il renvoie foreuse sapeur, c'est sûr à 100%. Bon, ok. Oh, bah non, non, 2 d'élixir, je vous l'avais dit. Je vous avais dit quoi, les gars? Hop là. Ok, ce coup-ci on est un peu plus préparé, ça va, on s'en sort pas trop mal. Ouais. En vrai, je pense qu'on peut faire ça et ça peut être pas mal. Pas mal du tout même. Oh, oh, la princesse, ok, ok, clutch, 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 la Tesla, la Tesla. Attention les gros dégâts, peut-être le mini PK qui va peut-être connecter, ou les chauves-souris. Allez frérot, encore, pousse, allez oui, sur la tour, encore, encore, encore un coup, let's go, la tour qui devrait tomber. La tour qui va pas tomber. Est-ce qu'on garde la bûche ou est-ce qu'on cycle? Non, on va défendre, on va garder la bûche. Ça sert à rien, on aura largement le temps. J'ai regardé le temps, il reste une 20, on aura largement le temps d'aller finir. Au pire, on peut aller finir l'enquête. En gros, ma question c'est, genre s'il avait, s'il restait 30 secondes sur le chrono, je pense que j'aurais mis une bûche. Mais là, vu que c'est pas le cas, on va plus temporiser tranquillement. Ok, parfait. Plutôt prévisible, notre ami. Ok, parfait, si tu veux, hein. Regardez, hop, 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 pré-shot Tesla. Oh là 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 là, oh là 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 là, mais qui peut me stopper? Mais qui peut me stopper? Mais oui! Oh, le pré-shot? Oh non, je voulais pré-shot les squelettes, ils sont pas passés malheureusement. Ok, pas mal, pas mal. J'avoue, pas mal. Mais du coup, comment tu défends ça? Ouais, ouais, je suis parti de l'autre côté, frérot. Et ouais, ça va quand même taper. Ouh, petite boule de feu pour le monsieur. Là, par contre, voilà, c'est ce que je vous disais. Il reste 30 secondes, donc on va se permettre de cycler. On va pré-shot les sapeurs. Hop, attention aux... Ouh, attention à l'esprit de feu. Ouh, c'est chaud. Ok, pas mal. On met la pression. Oh, c'est carré. C'est juste carré. C'est juste carré dans l'axe. Troisième victoire. Attendez, mais est-ce qu'on aurait... Non, en vrai, je sais pas. Hein. Je me demande si on a le match-up parce que on a... en vrai, non. Hein. Je pense que c'est la princesse qui peut peut-être être low vu qu'il a pas de bûche. On a les chauves-souris qui peuvent aussi être low. Mais il a quand même boule de feu et Tesla. En vrai, je sais pas. Hein. Je pense qu'on a juste été meilleur. En toute modestie, je pense. Hein. En toute modestie. Écoutez, on est bientôt à 6600 là. Oula. C'est pas exactement ce que je voulais faire. On est bientôt au 6600, ça fait plaisir. On va s'en faire encore une ou deux, je pense. Mais les games sont assez rapides. Je pensais qu'elles seraient plus longues, hein. Comme un petit peu la première. Oh, la première game qui était incroyable, hein. Le match-up miroir en cochon. Ok. Là, c'est un petit peu... Oh non, 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 la vidéo se passait bien. C'est vraiment pas nécessaire de me mettre un électro-géant. C'est vraiment, mais alors, mais vraiment, vraiment, vraiment pas nécessaire de me mettre un géant élec maintenant. Ni un golem, j'ai envie de pleurer, les gars. J'ai juste envie de pleurer, putain. Oh là là, c'est quoi cette merde? Bon bah, roquette, hein. Oh, oh, la belle défense. Oh, la belle défense, je sais pas si vous avez vu, j'ai bien anticipé que les troupes allaient s'arrêter sur le golem de glace. Du coup, j'ai pu tout requête. Les chauves-souris qui ont pop juste avant, c'était parfait. Hein. Ok, ça met plutôt bien ça. Ça met un peu au MAX. Attention à la tornade, ok. Ça peut partir sur la tour très très vite. Vite, 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 vite. Allez, les chauves-souris. Allez, allez, allez. Il faut gratter au maximum tant qu'il active la tour du roi. Ok, c'est parfait. Ouais, c'est pas ouf, hein. C'est vraiment pas ouf. J'aurais aimé gratter beaucoup plus. Peut-être que si j'avais mis les chauves-souris plus sur la gauche, ça serait parti plus rapidement sur la tour. Je m'attendais pas à la charrette. Je vous avoue, je m'attendais pas à ce qu'il défende le mini pika aussi facilement là. Je m'attendais pas du tout à la charrette à canon. Et ça va être très très relou pour nous pour passer. Mais on va bien voir en tout cas. Ah ouais, puis il y a la cage goblin aussi qui casse les couilles, hein, qu'on se le dise. Hein. Et bien on est parti de l'autre côté. Hein.
Ok, ok, j'ai une strat. J'ai une idée, les gars. Je sais pas si c'est du génie, mais je pense que j'ai une idée. Ouais, c'est clairement de la merde puisque les chauves-souris vont passer devant. En fait, je voulais défendre. Ouais, mes chauves-souris étaient beaucoup trop hautes. Oh là là, c'est de la merde. C'est de la grosse merde ce que je viens de faire là. Je vais me faire soulever. Je vais juste me faire soulever. Quoique, quoique. On va peut-être pas se faire soulever. On va peut-être pas se faire soulever. Ok, les chauves-souris qui font un bon taf. Ok, la princesse qui reste en vie. Ok, 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 ok. Mais attendez, mais aujourd'hui, je me surpasse là. Qu'est-ce qui est en train de se passer là, les gars là? Oula, c'était pas ça que je voulais poser. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qui m'arrive, les gars? Ça force une tornade, sinon ça met un coup. Let's go. Le petit coup. Parfait, il n'y a plus de baby dragon. On fait de la value. Ok, nickel, nickel, nickel. Nickel. Parfait. Hop. Ça part direct. Ok, ça part, ça part, ça part. Oh, ça va être chaud. Ça va être très très chaud de passer. On est quand même en retard au niveau des dégâts. Ça peut se négocier, mais ça va clairement être tendu. Hein. Après, il n'a plus de cash goblin. Là, c'est là. Là, on brûle. Là, là les gars. Là, les gars. On va attendre Kitoto. Voilà, comme ça, on met les chauves-souris qui peuvent peut-être faire une bonne value. Attention à la foudre en défense. Oh, ça panique un petit peu du côté de notre adversaire. On peut toujours Rocket Cycle. Après, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Clairement pas, même. Ouais, là, ça fait un petit peu chier. Ok. Après, il a plus de tornade, hein. Nos tornados par à la... Oh là! Oh là là! Alors, qui dit merci maintenant? Qui dit merci maintenant, hein? Le karma, frérot. On va éviter de trop packer les princesses pour une potentielle tornade. S'il peut ramener les deux, ça pourrait être gênant. Ok, il va tenter de passer, mais ça passera pas du tout. Parce que moi, j'ai la double princesse, plus le cochon qui repart direct derrière. Allez, allez, allez! Oh là, le cochon! Non, le cochon, le demi-tour, peut-être. Ok. La princesse au pont. Parfait. Ça part, ça part, ça part. Ok, on met la pression, on met la pression, on lâche pas, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, allez, allez, mets ton coup. Ah, va alors, frérot, va alors. Va alors, on a osé MBM. On a osé MBM avec un deck golem. C'est comme ça que ça finit, voilà, à la maison. À la casa, toxique, voilà. On aura même battu un joueur golem, cash goblin tornade. En vrai, on a fait, on a vraiment fait 2-3 défenses. Je sais pas comment on a fait, mais c'était tendu, hein. C'était extrêmement tendu. Ok, ouais, bon ça va, il a un petit profil. De toute façon, si on croise un vrai joueur golem, on a aucune chance. Moi, je ne sais pas jouer cochon. Donc, écoutez, 6600 trophées. Allez, une petite dernière. Petite dernière pour la route. Écoutez, pour l'instant, ça se passe comme sur des roulettes. Est-ce qu'on partirait pas à pleine balle, là? Là, on va voir. On va voir s'il pose quelque chose. J'ai envie de partir pleine balle de l'autre côté, là. Me demandez pas pourquoi. Mais... Après, on peut peut-être forcer... Ah, c'est un Français qui nous connaît. Ok, ok, ok. Petit cochon. Oh, PK spam, ça va être horrible. Oh, si, je fais PK... Oh. My God. Ok, on peut peut-être tenter un truc, là. Ouais. En fait, il me fallait le golem de glace pour faire ça, en fait. C'est pour ça que j'ai gardé... et j'ai préféré prendre le dash de Volos, parce que là, on fait une grosse value. Là, honnêtement, on pourrait limite avoir gagné juste là-dessus. Parce qu'on a fait grosse grosse va, la petite va sur le PK. Et là ça va partir cash de l'autre côté. Attention à la boule de feu quand même. Ok, c'est part. Ça part, pardon. C'est part. Je... Quoi? Oula, 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 oula. Waouh. Ah. Ah ouais, non, c'est bad dress donc ça. Comment ça, il y a un prince, frère? Comment ça, il y a un prince? Attendez, mais il n'y a pas de prince dans le deck, là. On m'a scam un petit peu, là. Attendez, du coup, il a flèche. Attendez. Hey, Clem, qu'est-ce que tu nous fais, là? Il a flèche, ça veut dire qu'il a pas de zap. Ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Il a pas de zap. Du coup, ce qu'on peut faire, regardez, c'est... What the fuck? Ok, alors là, ça part direct. Là, ça part direct. Ok. Le prince qui va pas charger, ça, c'est super. Faut que ça aille sur le prince. Oh, si ça va pas sur le prince, ça va être terrible. Encore un coup. Encore un. Encore un. Oh, frérot, on me met pas dans la sauce comme ça, là.
Oh là 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 là, la sauce, la maxi sauce, hein. Je vous parle pas de la sauce McDo là. Putain, il a trop de trucs pour défendre. Oh, c'est chaud. Ok. Ah, il va y whiz, hein. Ah, le problème, ça va être le GR, hein. Ça fait clairement beaucoup là à défendre. Ok. Ok, on va faire ça. Regardez, regardez la strat, hein. Regardez la strat de fou furieux que je vais faire là. Ok, c'est pas mal. Ok, ok, j'aime bien pour l'instant. Attention quand même, on prend des bons petits dégâts de l'autre côté. On évite de donner de la value toujours. Allez! Ouf! C'était chaud, hein. Ouh là 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 là! Je suis pas bien! Je suis clairement pas bien là devant le deck de Clem là. C'est. Ah ouais, bah là c'est un lion, là c'est compliqué, hein. Ok, ok, ça défend. Oh non, 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 mais je peux pas. On va lui dire bien joué. Bien joué à lui. Il m'a clairement surpris avec son deck et en vrai, GG à lui. GG à lui, il a pas trop mal joué, son deck est très très rigolo, non. GG à Clem, si tu passes par là, frérot, n'hésite pas à laisser un petit commentaire. En tout cas, on s'est vraiment bien amusé pour cette vidéo. Je m'attendais pas à faire autant de victoires, honnêtement, mais ça fait extrêmement plaisir. Deck extrêmement dur à maîtriser, attention, restez bien à l'affût, comme je vous ai dit, je vais vous ramener un gros joueur, un vrai joueur cochon sur la chaîne. Je vous dis pas qui c'est, mais abonnez-vous et mettez la cloche, voilà, si vous voulez être sûr de pas rater la vidéo, abonnez-vous, on est bientôt à 50 000, en plus de ça, on est à plus de 49 000 abonnés, je crois. Et puis nous, on se dit à demain pour une prochaine vidéo, c'était Lemoti, prenez soin de vous, ciao, ciao!